22 juin 2015. Nous sommes en direct sur TV Devi. Donc, vous avez suivi la première partie de l'émission où on a dénoncé Babylone, tous ces faux pasteurs. Et voilà. Et maintenant, on va montrer quelques images de ce qui s'est passé un peu au Canada et États-Unis. On nous dit Yoshua pour nous encourager. Je sais que vous êtes beaucoup à réclamer ces images. Et donc, on va commencer à mettre les enseignements qui ont été apportés au Canada et aux États-Unis pour vous encourager. Demain, nous sommes en direct sur TV Devi, TV et Radio Devi, donc il n'y a pas de souci. Mercredi, il y aura aussi un direct sur TV et Radio Devi. Et je pense que si Dieu permet, toute la semaine, on sera là pour apporter la parole. On sera à la brèche pour diffuser la parole. On est requinqués pour le combat. Hein, au nom de Yoshua, que Dieu soit béni, on est fortifié, encouragé. Voilà, donc on aime la défense de la saine doctrine, je ne sais pas. Donc plus on nous tape dessus, plus on parle. C'est ça qui est magnifique. Voilà, et je sais que la sortie de la BGC ne plaît pas, parce qu'elle est gratuite hein, aussi, parce que ça casse le marché de beaucoup de commerçants, hein, donc il faut le reconnaître, et ça dérange, ça ne plaît pas. Mais dès l'instant, le Seigneur est dans la joie, le Seigneur est content, le Seigneur est d'accord, ben, c'est le plus important. Amen. Voilà, mes amis. Dieu agit. Nous sommes dans Jean chapitre 5 pendant que l'élément est diffusé. Jean 5, 17. Jean 5, 17. Jean chapitre 5, verset 17. Le Seigneur dit, mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Alléluia. Amen. Second ami, j'agis. C'est pas ça. Le verbe grec ici, c'est travailler. Donc, c'est vraiment ça, c'est travailler. Donc, Dieu continue à travailler. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Et ça, c'est magnifique. Donc, Jésus a dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Et Jésus-Christ ici, en tant qu'homme, hein, Jésus-Christ est homme. Donc, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont pour Dieu, pour Père, Dieu, le Dieu céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tout cela, toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont pour Père, notre Dieu, comme Dieu travaille jusqu'à présent, eux aussi, ils travaillent. Donc, il n'y a pas de chômeur dans notre royaume. On ne peut pas chômer. C'est ça, en fait, la vision. Alléluia. Donc, Jésus-Christ ne pouvait pas chômer. On ne peut pas dire non. Je ne sais pas dans quel ministère, dans quel service Dieu m'a appelé. C'est faux. Si tu es chrétien, tu dois savoir forcément dans quel travail Dieu t'a établi. Premièrement, c'est l'adoration. La communion fraternelle et l'évangélisation par la puissance du Saint-Esprit. Donc, Dieu travaille jusqu'à présent. Eh ben, nous qui sommes ses enfants, eh ben, nous travaillons également. Et quand Dieu travaille, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conversions. Il y a des conversions, non pour aller dans les bâtiments d'église ou les garder par un pasteur, mais pour aller dans le royaume de Dieu. Il y a des guérisons, n'est-ce pas, avec des preuves médicales, des guérisons authentiques. Hein, on va nous balancer aussi l'élément du médecin, neurologue qui avait le cancer des reins, cancer de je sais pas d'intestin ou du sang. Il est venu des États-Unis pour la prière et il connaissait pas le Seigneur. Hein, il est d'abord venu des États-Unis à Paris pour la prière. On lui a fait une onction du nom de Jésus-Christ, comme la parole le recommande. Il est rentré guéri. Il est venu à Washington témoigner de sa guérison. D'accord. Il est neurologue. Hein. Jésus-Christ lui a démontré qu'il est le médecin des médecins. Amen. Et c'est pour cela que nous voulons, mes amis, vous montrer ces images pour vous encourager. Mes amis, il y a des combats, il y a des épreuves, mais Dieu nous encourage, Dieu travaille. Alléluia. Là où Dieu travaille, il y a des secousses, ça bouge, il y a des tempêtes qui peuvent être contraires à nous, des tempêtes qui vont... On va contre courant, tout simplement. Mais Dieu travaille et nous travaillons au nom de Yeshua. Donc, parce que Dieu travaille, Satan ne peut pas t'empêcher de travailler. Parce que Dieu travaille, même quand tu dors, tu travailles. Parce que tu parles, tu pries, ton esprit prie. Même quand tu es absent quelque part physiquement, mais Dieu, n'est-ce pas, te pousse à intercéder pour les frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on balance le premier élément. Voilà. Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Voilà, parce qu'on voulait en fait que le Seigneur arrête de travailler. Il dit, c'est pas possible. Voilà, là nous avons une dame qui est venue avec son, je crois que c'est un déambulatoire, que vous voyez là, son petit vélo là avec des freins. Elle ne pouvait pas marcher sans ce vélo là que je tiens là. Vous voyez? Donc, ses jambes étaient vraiment cassées, comme elle est en train de montrer elle-même là. Son dos cassé, hein, pratiquement là, ses côtes malades,
Et là, ben, comme Dieu travaille, eh ben, nous travaillons également au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ, notre Dieu, travaille. Donc forcément, nous travaillons. Voilà. Il n'a pas changé. Voilà. Handicapé, hein, avec son déambulatoire, son vélo là, qui est là. Voilà, il fallait secouer un peu ses jambes malades. Voilà. Ça, c'est ça, Washington. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Saint-Esprit, merci. Voilà, frères et sœurs, c'est beau, hein, c'est, voilà, donc c'est du tac au tac, tout ça avec le Seigneur, hein, donc quelqu'un qui vient avec son vélo comme ça, et tac, le Seigneur guérit ses membres, voilà, là c'est un deuxième miracle, ce monsieur a fait un AVC, tout le côté gauche paralysé, hein, tout le côté gauche paralysé, et il ne pouvait pas marcher, et là, avec la béquille, il avait beaucoup de difficultés. Donc, paralysé, côté gauche, jambe gauche, la main gauche,
Là, même la tête, le cou était vraiment dur, rigide. Là, ben, le Seigneur a dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Eh ben, l'évangile que nous annonçons, ce n'est pas seulement, mes amis, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et ça s'arrête là. Non, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et tu seras aussi délivré de tes péchés, délivré, mes amis, de démons, de liens familiaux ancestraux. Et quand Dieu, mes amis, nous met à cœur de prier pour les malades, ben, il guérit les malades, comme vous le voyez. Il guérit totalement. Hein, des paralytiques sont guéris, des paralysés sont délivrés, restaurés. Et c'est ça l'évangile que nous voulons vous annoncer. Hein, ce n'est pas l'évangile ventral, cet évangile qui vous fait vendre des sandwichs dans les églises, qui vous fait vendre, n'est-ce pas, des livres, des bibles, des CD, des DVD ou des concerts payants. C'est l'évangile qui vous dit, venez à Jésus-Christ de Nazareth et vous serez délivrés du péché. La paralysie s'en va. Gloire à Dieu. Voilà, on revient sur le plateau. On va nous trouver le témoignage du frère qui avait le cancer, le neurologue. Voilà, mes amis, ce qu'on a vécu aussi à Washington. Hein. Donc, c'est pas seulement dénoncer le faux pasteur, c'est prêcher le royaume de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui ne fait que dénoncer, s'il n'y a pas de conversion, s'il n'y a pas de délivrance, des miracles, comme la parole dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, 15 à 20, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc s'il n'y a pas aussi les miracles, c'est que cet évangile n'est pas de Dieu. Un évangile où on ne voit pas Dieu agir au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Parce que Dieu agit jusqu'à présent, on l'a lu dans Jean chapitre 5, 17. Jésus a dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Mais si c'est Jésus-Christ qui nous a mandaté, il doit travailler. Nous devons travailler. C'est ça l'évangile. Des conversions, n'en parlons pas. Ce ne sont pas, c'est pas nos œuvres, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Toute la gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'évangile. Et ça, c'est le Mont Carmel. Parce que ces prophètes, ces pasteurs-là, ça parle. On veut aussi voir les œuvres. Les chrétiens veulent aussi voir les œuvres. Comme ce monsieur qui était né aveugle dans Jean 9. Il a dit aux pharisiens, vous critiquez, hein, en gros, vous dites que Jésus-Christ est pécheur. Si c'est un pécheur, je ne le sais. Je sais seulement une chose. J'étais né aveugle, maintenant je vois. Vous vous enseignez dans vos synagogues depuis des années, il n'y a rien. Montrez-nous aussi vos œuvres. Voilà, c'est ça l'évangile. Moi, s'il n'y a pas tout ça, s'il n'y a plus de conversion, de guérison, de délivrance, j'arrêterai le travail. J'arrêterai. Parce que j'estime qu'un homme que Dieu a mandaté, Dieu doit l'accompagner. Un homme, une femme que Dieu a appelé, Dieu doit l'accompagner. La parole que l'on annonce, ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. Elle doit créer des organes défectueux en nous. Elle doit créer la vie là où il y a la mort. Elle doit amener la vie. Le Seigneur a dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Et c'est ça l'évangile que nous voulons annoncer, frères et sœurs. Et tout ça, c'est gratuit. Hein? Ah oui, il n'y a pas d'enveloppe derrière pour dire non, vous allez être guéri, amener les enveloppes. C'est gratuit. Les frères et sœurs soutiennent l'œuvre du Seigneur volontairement. Et d'ailleurs, les frères et sœurs qui ont fait des chèques là-bas au Canada, aux États-Unis, on a laissé les chèques là-bas. On a dit, gardez ces chèques-là pour hein, le pain quotidien au Canada, pour le travail au Canada. Et nous bénissons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont soutenus. Toute l'équipe, mes frères, Jérémy et son épouse Malaika, qui sont pour moi vraiment
une famille, mon frère Pierre, vous êtes tellement nombreux, destin, vous êtes nombreux, la liste est longue. Soyez tous fortifiés, encouragés, vous qui êtes à Ottawa, à Toronto, partout aux États-Unis, cette sœur aussi ivoirienne à Washington qui nous a vraiment agréablement surprise, qui nous a beaucoup encouragés. Virginie, vous êtes nombreux partout ici et là à être mobilisés, pour que cette mission soit une réussite et toute la gloire revient à Yeshua. Nous sommes des serviteurs inutiles. On balance l'élément avec le monsieur, le dernier élément, avec le frère neurologue qui était cancéreux, que le Seigneur a sauvé. Voilà. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Là, il a retrouvé ses jambes, hein, le papa. Hein, donc, cet homme, cet homme est venu nous voir à Paris pour la prière. Écoutez bien ce que je vous ai dit.
ce n'est pas diabolique, la même chose m'a prédit. Quand la lion vient en bas. So as this is going to the bottom of this, and as soon as she was done, she promised to say, get on the first one and get to Paris. Si elle est à Paris. And then after Paris. Si tu vois, ça m'a dit le soir. And then we went to see, she prayed. We prayed. I told him everything that happened. Il m'a dit c'est réglé. He told me it's done. Tu l'as dit c'est réglé. Gloire à Dieu. Voilà, mes amis. Donc, c'est pour ce soir, en tout cas, on s'arrête là. Et voilà. Donc, ce sont des œuvres du Saint-Esprit. Donc, les handicapés sont guéris. Hein, voilà. Et les cancéreux sont guéris. Et, des conversions. Hein, les baptêmes. Je pense que vous avez pu voir les baptêmes. Et le nombre de frères et sœurs qui sont levés pour le baptême. Donc, les images sont sur le net. Je pense qu'on peut s'arrêter avec les images du baptême. Comme ça, on va finir l'émission avec cette image-là. Le nombre de personnes qui se sont levées pour le baptême. Demain, 20h30, nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Hein, donc, pour d'autres émissions. Et nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter sur ces médias pour partager l'évangile avec nous, pour aussi nous envoyer des mails d'encouragement. Et Yann et David ont fait une émission pour vous dire que nous sommes, si quelqu'un, parce que beaucoup de gens se servent des vidéos que Dieu nous fait faire, pour créer des sites, pour créer des pages YouTube, Dailymotion, tout ça, Facebook, pour, n'est-ce pas, attirer les âmes à elles. Et c'est pour cela que nous avons mis à chaque fois officiel sur tous nos sites pratiquement pour éviter l'amalgame. Nous collaborons avec des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui aiment la vérité, ça y a pas de problème. Mais nous voulons vraiment que vous fassiez attention parce que il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui ne veulent plus de la vérité ou qui, mes amis, quand on leur demande de ne plus être avec nous, nos associés, parce qu'on estime que ils ont une position qui n'est pas convenable vis-à-vis de la parole, ben, ces personnes deviennent aussitôt des personnes qui nous attaquent, qui nous agressent. Et voilà, donc c'est notre liberté de pouvoir travailler avec les personnes avec lesquelles nous nous sentons, en paix, parce que c'est des personnes qui aiment la vérité, qui aiment le Seigneur. Voilà, donc des gens qui ouvrent aussi des pages YouTube, Dailymotion ou Facebook sans nous consulter et qui se servent de nos noms, du nom de TV de vie, Radio de vie pour diffuser des messages. Et ça, ce n'est pas correct. Nous devons être bibliques, nous devons être vrais. Voilà. Et nous ne voulons pas, justement, sur ces pages, même sur nos pages, nous mélanger avec des enseignements que nous n'approuvons pas. Hein. Nous croyons qu'il y a d'autres enfants de Dieu qui prêchent la vérité comme nous, peut-être même mieux que nous, et des gens qu'on n'a pas forcément vus physiquement. Et voilà. Mais nous ne voulons surtout pas nous associer avec des gens qui mettent leurs vidéos sur YouTube ici et là et dont on ne connaît pas forcément la moralité. Voilà, nous voulons rester avec la parole, avec le Seigneur et avec les vrais enfants de Dieu, hommes ou femmes qui l'aiment, des enfants de Dieu issus de toutes les nations. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc demain nous sommes là 20h30 pour continuer bien sûr dans le même élan des émissions pour partager l'évangile. Vous pourrez si vous le souhaitez nous appeler demain pour éventuellement nous poser vos questions. En tout cas, nous sommes beaucoup encouragés par la manière dont vous vous levez vous-même chez vous pour défendre la vérité. Hein, les gens qui nous agressent, qui nous attaquent, vous êtes de plus en plus nombreux à vous lever vous-même pour défendre la vérité et nous sommes beaucoup encouragés, frères et sœurs, et nous nous apercevons que nous ne sommes plus seuls, nous ne sommes pas seuls et qu'il y a toute une armée d'enfants de Dieu que nous ne connaissons pas forcément mais qui aiment Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Continuez comme ça
Que Dieu vous garde au nom de Yeshua. Donc, on va vous montrer le dernier élément, hein, les baptêmes, lors du programme de Washington. Alors, vous inquiétez pas, vous qui êtes à Québec, à Toronto, à Montréal, il y aura aussi des images, hein, de ce que Dieu a fait chez vous. Il n'y a pas de souci. Donc, on a voulu commencer par Washington parce que c'est le dernier endroit, hein, de la mission. Donc, en tout cas, merci encore à votre amour pour la vérité, pour le Seigneur, pour nous. Que Dieu vous garde en tout cas. Et nous allons nous retrouver bientôt chez vous. Je sais que du côté des Antilles, vous nous attendez également. L'île de la Réunion, Afrique, tout ça partout. Prions les uns pour les autres et que tous les défenseurs de la sainte doctrine soient prêts pour le retour du Mashiach. À Dieu seul, notre Père céleste, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, soit la gloire, la louange, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. L'élément. Okay, voilà. Toutes les personnes peuvent être en